D'accord? Il faut la laisser à 50% en observation. Et surveille sa tension, d'accord? Et apporte le résultat immédiat sur ma table. Elle va se réveiller dans 4 heures, je pense. Ok. Où suis-je? Oh, tu t'es réveillé? Mais où suis-je? Le docteur avait raison. Il a dit que tu te reverras dans 4 heures de temps. Ne t'inquiète pas, tu es à l'hôpital. Tes gardes t'ont amené ici. Ils disaient que tu t'es tombé évanoui lorsque tu faisais le sport. Ne t'inquiète pas, le docteur t'a examiné. Il a dit que tu te porteras bien, ok? Juste repose-toi. Puis-je vite quitter ici? C'est seul le docteur qui peut affirmer cela. Laisse-moi le voir. Ok, juste une minute. Que fais-tu ici? Calme-toi. Ne me dis pas de me calmer. Tu as besoin de te calmer, très nécessaire. Je ne reçois pas des ordres venant de toi, ok? Ne me dis pas ce que je dois faire. C'est pas un ordre, c'est un conseil médical. Allez au diable, toi et tes conseils médicaux. Je sors dans cette saleté. Ne me touche pas. Laisse-moi seul, je suis fatiguée. Je veux que tu te reposes, ok? Oh. Je vois. Alors c'est ton plan? Me garder ici pour m'assassiner? Vous voulez dire quoi? Tais-toi! Écoute-moi. Je suis le docteur. Et je fais mon travail. Et je fais mon travail avec un cœur sans préjudice. Est-ce que tu comprends? Alors, si tu quittes cet hôpital, ce sera contre le conseil médical. Et si tu t'en vas, ils te ramèneront ici encore sitôt à cause de tes conditions. Et tu ne peux rien faire pour cela. Tu dois te calmer maintenant. Qu'est-ce que cela signifie? Mes diagnostics ne sont pas encore complets, mais avec les symptômes... Tu as un cœur faible. J'ai quoi? Ton cœur n'est pas fort. Alors tu as besoin de te calmer. Tu ne dois pas monter ta tension. Sinon, tu vas provoquer une crise. Ok? Maintenant, s'il te plaît, excuse-moi.
Non, attends. Excuse-moi. Excuse-moi. Excuse. S'il vous plaît, calmez-vous. Va m'appeler tout de suite le docteur. Tu sais, amène-moi dans son bureau tout de suite. Dépêche-toi. Docteur, mademoiselle Melissa, elle veut discuter avec vous. Qui? Mademoiselle Melissa, elle veut parler avec vous. Fais l'entrée. Je ne suis pas illettré, Ken. Ni stupide. Si tu penses que tu peux me faire chanter émotionnellement avec tes fausses diagnostics, alors pense à manigancer une autre chose. Qu'est-ce que tu es en train d'appliquer? Que je prends l'avantage de ma position? Qu'est-ce que tu peux penser comme ça? Maintenant, il faut bien saisir. Malgré les circonstances, j'ai gravé dans mon cœur de toujours respecter le serment que j'ai prêté dans la pratique médicale. Est-ce que tu me comprends? Bon. Maintenant, dis-moi, que veux-tu exactement insinuer par cœur faible? Je pense qu'on parlera de ça lorsque tu seras un peu calme. Quelle arrogance! Qui t'a donné le droit de t'inquiéter pour moi? Tu es ma patiente. Oh, pardon. Fais sortir de la cachette tes prétentions. Qu'est-ce qui a pris tes comportements bruyards et tes langues bavardes? Écoute ceci pour ton bien. Mes efforts seront vains si je n'ai pas ta confiance. Tes efforts? Qui a besoin de ton aide? Moi? D'accord, je vais signer ton décharge. Comme tu ne veux pas écouter mes conseils médicaux. Pour qui te prends-tu? Je t'ai dit que je veux quitter cet hôpital. Qu'est-ce que tu veux au juste? Ça ne fait rien. Tu vas bien? Oui. J'ai le vertige. Ça c'est parce que tu as fait monter ta tension. Alors, pourquoi tu ne m'as pas vite revenu? Ah! Je ne t'ai pas dit. Oh, tu sais, cherche-moi de l'aspirine. Retourne dans ton lit. Je vais t'envoyer quelques comprimés pour ton vertige. Tu me donnes des ordres? Non, je ne te donne pas de l'ordre. Mieux que je me lève. Robiche, c'est comme ça que vous traitez les gens dans cet hôpital, avec cette impolitesse? Maintenant tu commences par m'énerver. Oh, alors en me plaidant, tu me dis que je vous énerve? Ici n'est pas ta chambre, où tu commandes les gens comme un troupeau de moutons. Ici c'est ton hôpital. Un hôpital où nous payons nos factures de soins. Comme ça, tu peux avoir ton salaire mensuel. Tu n'as jamais cessé de m'étonner, tu sais? C'est tellement mystique la façon et le comportement dont tu conduis ta vie. Ton arrogance, ton égoïsme et ton hostilité et tout. As-tu la conscience? Est-ce que ça t'est une fois arrivé que les gens sont supposés d'être traités avec amour et respect? Il t'est une fois arrivé que les gens peuvent te détester? Non, je ne pense pas. Et ça, c'est odieux. Tu sais pourquoi? Parce que tu vis dans un monde d'extravagance où tu es reine et tout ce qui t'entoure sont sous ta soumission. Tu sais quoi? Melissa, dans la vie, rien n'est comme tu le penses. Je pense que tu dois repenser à ta philosophie, ton attitude et tes dispositions. Et cela t'aidera à sortir de ton sort.
Excusez-moi, docteur. Son Excellence, soyez les bienvenus. J'ai appris que ma fille est amenée ici. Wow, oui, elle est ici. Quel est le cas? Elle a un certain problème de cœur. Comment? C'est si grave? Actuellement, je ne sais pas parce que je ne suis pas le chargé pour son cas. C'est un collègue qui est chargé de ça. Et je pense que c'est lui qui arrive. Oui. C'est lui qui peut bien vous répondre. Chumwa? Dis-moi que je ne suis pas en train de voir le fantôme comme le docteur qui s'occupe de ma fille. Il est le spécialiste en chirurgie. Il est le plus qualifié. Il est le plus qualifié. Comment oses-tu? Comment oses-tu t'approcher de ma fille? Je veux que ma fille soit transférée dans l'immédiat. Tu n'as pas besoin de ça, madame. J'ai déjà signé les documents pour son départ. Pardon, excuse-moi. Il faut prier que rien de mal arrive à ma fille. T'inquiète pas, rien ne va lui arriver. Est-ce que je peux voir ma fille? Maman? Est-ce que tu vas bien? Je vais bien, maman. Non, tu ne vas pas bien. Je vais bien, maman. Non, tu n'as pas l'air bien. Je le suis. Est-ce qu'il t'a maltraité? Non, madame. Tu ne peux pas être sûr. Peux-tu? Je vais faire mes enquêtes. Non, maman. Non. Non, écoute. Comme tu ne peux pas le croire. Comme tu ne peux pas le croire. Il était gentil, bon et utile. Il faut qu'on rentre à la maison, ok? Ça va. Bonsoir, madame. Bonsoir, Latifa. Votre maman demande votre présence. Elle attend dans le jardin. Dis-lui que je vais la rejoindre bientôt. Latifa. Est-ce que je peux te poser une question? Je veux que tu me répondes sincèrement. Est-ce que je suis vraiment arrogante, blesseuse, égoïste? Non, madame, tu ne l'es pas. Je t'ai demandé de me répondre sincèrement, n'est-ce pas, Latifa? Latifa. Pas parle. Je demande pardon. Je ne peux pas vous répondre, madame. Je ne peux pas. Je ne peux pas dire la vérité. Tu peux partir.
dois avoir raison. Madame, elle sera avec vous bientôt.